identifier problème là. Un problème qui identifier li à moitié résolu pas vrai guerrier. Mm-hmm. Pas vrai PRR. Nous identifier les nèg qui fait kidnapping yo dit mais côte moun yo mais qui est-ce qui fait mais qui groupe qui fait. Tout moun tande tout moun connaît. L'argent baille, vidéo fait et cetera ira. Et puis n'a fait grève, grève pour qui ça? Qui ça grève la pral porter en termes de solution avec problème là. Et si c'est vraiment que n'a tout font sénai pour nous fermer pays à définitivement, c'est fermer pays à définitivement et puis mettez autorité salo sa yo au pied du au pied du mur pour reconnaître que nan route y a mené pays a peuple la boukia yo. Sinon pas qu'a fait ça c'est la vie messia. En tout cas, syndicaliste qui t'a lancé grève ailleurs yo dit yo satisfait pour Jean premier journée passé mais yo bay rendez-vous avec la presse pour midi côté yo pral gain pour annoncer yon plan sur comment mouvement ça pral continuer déjà yo prévoit yo pral gain pour faire des sit-in devant bureau l'état arrivé jusqu'à fermer porte plusieurs institutions à travers pays lorsque yo pas annoncé grève fonds unifiés transporteurs travailleurs d'Haïti futra annoncé grève là levée et nous t'ai posé question pour qui ça qui expliquer ça qui motivation qui gagne derrière on annonce comme ça alors que principale organisation syndicale qui lance grève là censé kembe mouvement nous gagne avec nous en ligne syndicaliste Montes Joseph qui a dirigé futra qui c'est front unifié transporteur et travailleur d'Haïti. Bonjour. Mandez c'est pas sous Castillé parce que il paraît dans très fond. Mandez c'est et Montes c'est si ou gen casse retirer casse là pour capable sortir bien si ou non espace qui fermé ou cap cherche un côté ou cap joindre plus signal pour nous parler mais c'est qu'il y a ils sont entouffés Montes. Est-ce que me voilà? Est-ce que me voit? Oui, ça va mieux. Eh bien OK d'accord. Que n'a salué Grand Boulevard et toutes fidèles auditrices Grand Boulevard. Et nous-mêmes, en Dafitra, position nous déclare, et camarade Mille changé, notre déclaration qu'elle a fait, on lui déclare sur ça. L'été dit ça, c'est position tout syndicat. Nous attendons dans la radio Caraïbe, dans le Grand Boulevard, à côté qu'elle a fait déclaration sur ça. Lui dit, nous mettrons les. Tout syndicat, ils ont tout acté même bagaille. Et à la vérité, c'était position nous tout acté même bagaille. Mais seul ça nous a dit, camarade, là, m'a rectifié dans mon tort là. C'est grève illimitée qu'elle parlait là. Nous tous sommes d'accord. Sauf monsieur, nous pas de grève illimitée. Pour l'histoire, pour la vérité, nous voyons une note. Côté que nous ciblons ensemble de revendications par rapport avec grève, nous lançons parce que nous avons des objectifs et pour qui ça, nous montons camarades, nous montons population pour entrer dans une grève avec nous parce que nous avons ciblé trois conseils de sacs malhonnêtes en EBIA, gouvernement de facto Ariel Henry qui a décidé de ne pas lever le petit doigt. Notre santé dit clair. Grève là sont grève de 24 heures, une grève d'avertissement qui a duré un jour, qui a commencé lundi et qui a fini à 6 heures du soir. Et c'est ça qui est gros après la première note là. Nous voyons une première note qui te dit mes revendications grève là, et nous voyons une deuxième note qui lève grève là. Bon, mes amis, son bagage a été clair comme ça. Sous téléphone, tout le monde, la presse te gagne. Dans toute émission que nous passons, c'est ça que nous te dit son mot de grève d'avertissement qui a duré un jour. C'est bon, non? Là, on ne parle pas à pas. Et nous, c'est pas nous-mêmes qui t'es lancé grève là. Gagné. Non. C'est nous-mêmes qui t'es lancé grève là. Nous tout prêts. C'est pas front unifié transporteur et travailleur d'Haïti ou qui t'évite la presse. Écoutez bien, Lionel. Dans la grève, ça nous pas fait pour faire une presse. Pas que nous disons pour faire une presse. Pas que nous, organisation syndicale, qui te fait pour faire une presse. C'était juste les médias et annoncer à des grèves le 18 mai. Mais qui l'a fait ça?
qui laisse affaire. Nous ne participons pas sur les émissions. Nous ne participons pas. Ouais, pour qui ça pas gagner encore même groupe ça alors même moté, même mais changer ça qui me passer par lui ouais pour te convaincre lui pour dire monsieur on fait grève là pendant ou gata annoncer les limités on camper mardi pour pas fragiliser mouvement qu'a fait là que nous d'accord sur lui elle dit était là parce que illimité pas illimité vous avez des cas faire plus intelligent bon bout bagaille nous tout te parler en personne qui parler là. Nous faisons conférence scolaire, moi-même, Anderson, Duclos, Duclos, papa, il y a une grève là, Duclos, il y a une grève là tout. Nous faisons conférence scolaire avec lui, nous expliquons bien fondé, nous avons déjà dit son grève d'avertissement de 24 heures de temps. Nous ne sommes pas d'accord, on prend des déclarations masculines, on prend des déclarations tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur question de grève illimitée. Nous déclarons avec son grève. D'avertissement à faire, et puis si nous n'avons pas de satisfaction, et bien, semaine 25 là, nous avons bloqué le pays parce que nous déterminons, il faut nous donner une satisfaction avec la question de kidnapping, avec la question de gaz de sécurité qui est dans le pays, parce que nous-mêmes, dans le secteur transport, nous sommes plus victimes. Et c'est ça, nous sommes clairs sur ça. Ok, est-ce qu'on a une conférence à midi, Anderson de Roche a annoncé là? Ça, c'est. Là que nous avons conférence scolaire avec Méli, hier après-midi, avant que nous prenions décision pour lever la grève là, parce que nous sommes tous camarades, tout est bien. C'est l'organisation qui a dirigé, c'est l'organisation qui nous guérit. Ou après de nous, là, nous avons plus de 35 organisations qui la donnent. Vous payez, vous avez dit on grève d'avertissement si nous n'avons pas une satisfaction. Satisfaction pour qui est-ce? Pour nous-mêmes dans le secteur ou bien pour le pays? Satisfaction. Définis satisfaction pour nous. Kidnapping n'a pas l'idée tout pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes seulement le secteur syndical qui dérange, non? Satisfaction pour tout le monde. Satisfaction pour nous. Satisfaction pour tout le monde qui est victime de kidnapping, non? Non, mais qui est cette satisfaction? C'est pour nous-mêmes seulement. Non, mais qui est cette satisfaction? Non, mais autorité ça au Cap-Cour qui était soulié ou à terre? Nous-mêmes syndicalistes, nous ne pouvons pas rentrer dans le monde de l'OEA. Seules armes que nous gagnons, c'est le mouvement ça que nous faisons. Et là, nous faisons le mouvement ça. Nous prenons nous, nous ne pouvons pas continuer à côté de nous, nous kidnapper, pour continuer de l'argent maintenant. Et bien, je dis à tous, il y a paralysé, taxes pas rentrer, et que nous n'avons pas besoin d'argent pour à côté. Et bien, il faut obliger la DPE, et puis pour les capris de tout. Le pays a tout fermé dans le pays a fermé du nord aussi bien de l'Ouest à l'Ouest. Et bien, c'est ça qui s'est passé. Obligé la question, inévitablement. Et c'est ça qui est le calqué. Et c'est pour demander que nous devons que nous sommes pays, si au fur et à mesure, avec nous, on s'est fait affaire, et bien, nous devons dire, si nous avons une satisfaction, eh bien, pays a fermé de par lui-même. Et c'est ça que je dis. Sous question de à midi, hier soir, la discussion de la conférence de Paul nous dégagé avec Meyi, il dit, mais d'accord, pas de problème. À midi, nous avons fait un appel. Mais, Il y a des gens qui ont fait des déclarations. Bah, qu'on essaie de faire sur l'autre média. Donc, c'est pas lui qui a annoncé que le lever. Au contraire, il fait tweet, il fait notre sortie pour dire que la continuer. Que connaît pour lui-même, il était dit que là, il était pour auto-précision. Et précision, il était pour dire
décision pas les décisions pas nous. Pour dire que courage, pour te dire, grève là, c'est pas grève, moi même à PCH. C'est grève, tout syndicat, même nous avons c'est nous qui avons parlé là. Mais tout d'accord, nous mettons tout un compte téléphone, pour nous voir ce papier, ce papier dit oui, nous avons dit pour le dire. Celle qui est problème de venir avec monsieur, sont question de grève illimitée. Nous définissons pas une grève illimitée. C'est celle qui est avec comme problème. Mm-hmm. Mais depuis au départ, les revendications étaient claires. Nous avons écrit, moi sous blanc, grève à dire, grève, bon, son mot de grève d'avertissement, la durée. Un jour, pour respecter, pour grève sud-là, les cas aller au-delà de 24 heures, les cas 48 heures, les cas 72 heures, en fonction des gens, nous, la situation. Merci, Montesquieu. C'est ça qui est clair. Pour tout le monde, était clair, nous ne pouvons pas prendre ça en même pour quelle que soit raison au monde. Là. Nous, les gars, c'était qu'à la diriger, nous, les gars, c'était qu'à la diriger, c'est pas la première fois qu'elle a fait grève. Il faut nous dire respect aux camarades, les noms de Dieu, les mêmes qui ont pauvre, ce qu'a subi même déjà avec nous. La capitale là, le nom baillon, le mot, faut respecter moi. Et si mes lignes n'est pas d'accord pour respecter mon bal là, ça c'est lui-même qui connaît. Moi-même, nous tenons l'émission hier, dans le gros sud là, mais nous tenons une réaction population. Nous tenons comment c'est bon, nous tenons une réaction syndicaliste. Aïe, vous dites, ça vous dit. Ça vous dit là. Vous dites pas faire grève là encore? Oh, nous pas dit, nous pas fait. Non, ça population dit, nous t'attendez, nous pas t'attendez, ça vous dit. Non, population, même en pile, nous sommes des syndicalistes, ils ont dit même, ils ont mal compris nos dots de grève illimitée qu'ils n'ont pas l'air. Non, nous nous sommes des précisions, nous sommes dit que nous ne parlons pas de nos dots de grève illimitée. Ces camarades-là qui font une réunion, ils disent grève illimitée. Mais ils tournent sur mon tas, ils tournent sur grève illimitée. Ils ne veulent pas qu'ils ne fassent pas la gaïta, ils retournent sur lui tout. Ils retournent sur lui. Même pas ceci, il y a du rapport de quoi. Mais si nous disons, les camarades, sur les intérêts, et ma propre. Mais c'était même à l'heure de la politique, nous ne pouvons pas parler encore. Juste pour parler du problème. Si on est après son relation, c'est ça, nous devons être confiance, Paul. C'est du nucléaire, nous ne pouvons pas parler encore. Merci beaucoup, Montes. Cette laïcianité pure et simple, c'est ça qu'on appelle du machiavélisme haïtien. Nous ne pouvons pas entendre, nous n'avons rien. Ça veut dire tout le monde d'accord, insécurité, kidnapping dans son problème, mais pas entendre nous pour mouvement, pour forcer l'État à agir. Ouais, ça veut dire faut qu'on va quand même nous arriver à entendre nous sous lit et ça ne va pas entendre nous sous lit à ses limites devant. Ça veut dire pays a sombré. Oui, pays a sombré. Ça veut dire bien vite c'est ça qui est problème. Non, pas d'accord de quand entendre nous. Tout le monde après les bouquets fatigués. Après un jour, deux jours et puis nous dis-moi que n'a pas fait camper, n'a prend ça comme notre stratégie, n'a fait ça mais bon. Voilà. Il y en a peut-être pour madame, pour un petit chou, pour venir réagir, pour dire comme la arrivé, ou pas qu'un comme. Et ça, chacun attend son tour. C'est ça, oui. On avance, non? Oui. On a fini avec dossier ça avant d'aller dans ville provinciale pour aller connaître comment ça y est avec Edvard Dorisme qui c'est secrétaire exécutif association propriétaire et chauffeur plein du cul des actes qui est même quoi grand question politique dans sa cap fête là. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Didier Dessel, moi salue Bob C. Et Bob C, directeur Germain, vous pouvez saluer. Oui, avant hier. Bonjour, directeur Germain. Et ancien directeur lycée Toussaint. Oui, lycée Toussaint. Mon cher, pour moi-même, c'est une honte. C'est une honte pour ce secteur-là. Parce que je dis, hein, nous sommes ensemble et dans le local, et dans le foyer culturel, plata culturel qui vient sous le bois vernard. Pour dire que nous sommes entendus pour nous faire un bagaille. Mais malheureusement, nous serions bœuf pour dire que nous avons un petit code de nous. Je dis en là, camarade Ngas, tout parlait tout à l'heure là, il évoquait un problème. Il évoquait le problème et leadership là, mais il y a un que il va évoquer. Donc, moi, je fais pour population, tout le monde qui gagne, chauffeur, propriétaire, je comprends une seule bataille. Je dis là, ça a rongé secteur-là, c'est un problème de leadership. Peut-être que nous-mêmes au niveau des APCPC, des associations des propriétaires des chauffeurs de la plaine du Cul de Sac, le plus souvent nous prenons distance par rapport avec ça qu'a fait dans là. Ça qu'a fait sur là, il gagne un problème politique là. Politique là, c'est que monsieur ça, et tel, livre c'est ça pour le fait. Bon, et dirigeant ça, livre si il y a un mouvement qui a fait, c'est lui-même qui pour
qui pour lancer mouvement, ou du moins c'est lui-même qui pour gagner leadership mouvement. Donc c'est ça, moi-même, qui a crasé ce secteur-là. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis là, chaque monde veut pour lancer grève. Allô? Oui, donc dit chaque monde veut pour lancer grève, leadership, c'est pour gagner. Chaque monde, ouais, comme si c'est pas lui-même qui lance grève, là, parce que. Pays en lui-même, il faut faire une grève, tout le monde n'est pas capable de ça. C'est un pays qui prend grève déjà. Donc, momentum, il est favorable pour quel que soit le monde qui dit qu'il a lancé grève pour grève la prendre, parce que la population n'est pas capable encore. Insécurité, kidnapping, donc tout le monde le senti en ras-le-bol, il n'est pas capable encore. Donc, je dis là, si c'est moi-même qui dit que je lance grève là, ou après que demain, le pape radio, il dit bon, peut-être. Chacun pour soi et pour son clan. Donc ces problèmes ça qu'a rongé ce secteur là. Donc moi-même, clairement dit que c'est honte pour ce secteur là, parce que là nous représentons ça que nous représentons, la force que nous représentons, hein, et puis pour nous, je viens là pour nous larguer bagaille là à terre là. En 2017-2018, nous faire plus passer. Et plus parce que je vais voir le New Richard Beach, pour nous, dans quelle mesure nous sommes capables d'unifier ce secteur-là. Et c'est toutes les marches qui débattent nos mutes, qui c'est le mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Donc, politique là tellement fort entre nous, en dedans nous, dans le temps nous, électro-vindral fait, pendant le recevoir le fait, bon, tout le mouvement est placé. Je dis là, on est capable de remarquer. Plein de ces jeunes qui pas parler dans le mouvement de grève là. Pour qui ça, c'est parce que c'est pas eux-mêmes qui prennent l'initiative là. Alors que nous toujours chita pour nous prendre toute initiative. Je bagaille, Anderson et camarade Anderson a parlé. Oui, c'est vrai. Mais là toujours des suspicions, là toujours des doutes sous lui. Et c'est une bagaille qui fait que je tiens là, nous avons dit que les populations, secteur là, du parcours dans pile dans dirigeant. Parce que ça que vous nous dites, c'est pas lui-même qui nous dit, mais toutes ces questions politiques là. Donc moi-même, je dis à l'intervention moi et sur Radio Caraïbes, c'est juste pour nous dire, monsieur, que tu as ressaisi, que tu as regardé, que tu as campé devant miroir, que tu as gardé tête, que tu as dit, est-ce que tu pas vaut plus que ça qui a projeté là? Que tu as gardé plus. Parce que nous représentons une force en dedans de la société, nous représentons une force en dedans de la population, et puis c'est ça que nous avons produit là, qui nous rend entre nous. Vous même pas capable de remarquer que nous ne pouvons pas parler dans la presse souvent. C'est juste parce que c'est pas parler dans la presse là, parce que nous avons un petit bon monsieur là, un petit bon monde là qui se dirigeant, mais qui va gagner un syndicat comme ça, qui réel vraiment. Mais il y a plus parlé pour capable faire tendre, pour capable convaincre la population, pour capable faire une équipe dans le détail, mais qui pas syndicats ou des syndicats réels vraiment, mais il y a plus politique. Donc c'est politicien qui a parlé. Mais moi je veux que nous comprenions ça, c'est politicien qui a parlé. D'accord. Merci un peu, Edvard Doris. Mais après, c'est secrétaire exécutif, association propriétaire à chauffeur pleine du cul de sac. Dans le moment, monsieur a fait un peu de diversion. C'est une occasion que vous avez supposé concerner au premier chef la question insécurité, hein, parce que chauffeur aux victimes en pile, guerrier. C'est tout entendu, il y a fouillé, prend tout ça au gagné. Et gagné, moun fin bay. Job pour tes marchandises, yo prend toutes marchandises, yo prend machine yo. Et pas plus tard que fin semaine qui s'est passé à là, m'a parlé avec mon ami qui te gagné un petit camion qui gagné et réservoir sous yo et gasoline, il après le mettre dans pompe et il te fait déplacement, vienne prendre gaz là, nèg yo prend machine là, Matissan, l'obligé payer $10,000 américains pour libérer chauffeur là et nèg yo mandé pour le payer. Pour le prendre camion et y a bal camion en vide nèg yo vide camion prend tout sac té là dedans prend toute gasoline nan. Donc devant ka fou comme ça secteur ça son secteur au premier chef qui concerné devant insécurité grandissante ça devant kidnapping ça
devant les actes qu'a fait dans la société qui est intolérable. Mm-hmm. Alors que vous avez même encore pour mettre tête ensemble pour jouer une solution, vous avez d'assaut monde glissé dans le temps et à bail deadline, on façon pour capable de faire coop, négocier avec l'équipe en place là, gagne pour aller vendre bus, gagne pour aller vendre tête camion, et puis sortant de là, mouvement bois l'huile. Mm-hmm. Et puis le pays a toujours dans salle malaza. Et insécurité, kidnapping, continue à valer le terrain, à grandir comme sol dans la société. Mouvement ça qui n'est pas respecté au Cap Fort Liberté, contrairement à l'autre département et l'autre ville. D'un coup, au CAI, Jacques Mel, déjà nous avons une correspondance en ligne avec nous. On a parti de Fort Liberté avec Charles, avec Richesse Maudelin. Richesse, bonjour. Bonjour, c'est bonjour tout le monde. Et puis ça commence déjà non seulement et Pierre Venel, mouvement et grève que secteur syndical en l'air eux même été annoncé à il est pas respecté dans le département nord de ce pays. Seulement problème qui toujours coûté et gaz là qui paraît toujours très rare à ce marché à côté et bien mon et soit chauffeur moto et machine même des difficultés pour capable joindre gaz là pour que nous ne pas l'ouvrir et pas gain gaz dans confort. Et si toutefois, on est arrivé à acheter une gaz et sous trottoir là, on doit payer 700 à 800 gouttes pour capable arriver à une gallon de gasoline et diesel là, même, il paraît très là, sous marché à côté, et bien, et peut-être nous descendons même, il a demandé l'État ici pour capable assumer responsabilité devant la situation ça, et pour capable résoudre le problème peuple. Et bien, l'autre information, Pierre Unel, sous l'initiative bureau sénateur Annick Pierre, dans cette couleur avec l'association Maïprac avec la délégation, vie délégation Nord-Est, il y a un gros marché à partir qui est organisé, vous mettez dimanche 17 octobre 2021, dans la commune du Nord, mais pour continuer, demander justice pour le président Jovenel Moïse, à cet assassiné la Cali, puis les 25 dans la nuit 6, pour ouvrir cette guillotine passée, et plusieurs milliers de partisans avec ce partisan ancien président Jovenel Moïse, il y a même été répondu dans la marche là, et il y a été dénoncé. Toutes les communautés internationales là dans l'assassinat d'un ancien chef d'État. Avec quoi d'ailleurs réclamer pour démission et puis arrêter, précipiter et pour diminuer par violence avec tout le monde qui a des mains trempées dans le crime ça. Et ce mot-là, le sénateur Nord-Est-Lan, il a hier déploré environ 3 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, en quête de marquer par sur place et lui demander le gouvernement avec le ministre de la Justice pour aller plus vite de façon pour bailler justice. Avec la famille de Jovenel Moïse, la terre de plan ou Alicia, c'est profité, dénoncer que nous donnons ce qui pas plus qu'on va l'épurer dans le pays d'Haïti, principalement dans la capitale maintenant, côté de nous, ça épanoui et devant une action bandit. N'a pas fait remarquer, n'a pas fait ça, lui-même, c'est un débat pour Bab avec la commémoration de ces 16 années pour la Papa Nation, l'agence des Salines, du 17 octobre 1806, au Pérouge, Fort Liberté, Métropole, département de l'Odesse, Richesse Maudelin, par la IBFM. Si Richesse Maudelin non Fort Liberté côté journée grève aya pas vraiment respecté même situation avec au Cap Haïtien malheureusement nous pas rejoindre correspondant nous à défaut de Cap Haïtien nous pour aller au CAI oui et grève là t'es vraiment respecté t'es gain l'autre mouvement qui t'est accompagné grève ça dans ville au CAI côté chauffeur moto taxi t'es dans la rue et bloqué toute zone yo toute Routio dans Ville Okaï et Napral Palé là avec Georges Valens. Georges, bonjour. Bonjour Pierre Rigel, bonjour Bomsi, bonjour Guerrier. Nous saluons tout le monde qui attend sur différentes stations radio. Nous sommes veillants sur Radio Le Bon FM dans Ville Okaï avec Radio Télé La Brise au niveau Campérin. On fait remarquer l'idée. Je dis là, toute activité dans la troisième ville paysan qui est paralysée hier lundi 18 octobre 2021 jusqu'à Aswell. Commercial, l'école qui part pour Capram dans la troisième ville paysan, graine qui ouvrit malgré situation difficile là, tout a été fait mais pour Dieu. Pour première journée grève syndicaliste. L'objectif, c'était porter solidarité avec la grève générale, plusieurs syndicats s'est lancé à partir d'hier là, dans le pays d'Haïti. Donc, pour exprimer colère devant la situation mal le cap haïtien, obligé de dire, chauffeur taxi, même dans Okaï, t'es profité l'occasion pour te barricader tout en pays à sortir troisième ville pays, sur boulevard 4 chemins, bien entendu, soit à Croche et Caroutchou, Tréto, Timachan, à tout ça qui était tombé en bas, mais dans le cas des gros mouvements de
façon sans attentat pour dire non en bas galon gaz qui les mêmes coûté 300 dollars haïtiens. Donc dans ce plan, un chauffeur taxi, yo même yo fait qu'on est, il y a pas continué pour dire une façon bien entendu pour exiger aux autorités assumer responsabilité devant le phénomène de sécurité à kidnapping qui a plongé pays à descendre chaque jour plus en bas. Un chauffeur taxi ensemble l'autre secteur qui était l'intégré ça dans ce fait qu'on est, yo pral répéter même dit bagarre en matin là la troisième ville pays qui s'est bloqué activité pour faire l'état assumer mission li envers même yo même dans la population. Entre temps, dans le camp hier, j'ai eu même des prises d'initiative pour marcher dans la rue comme ça, pour dire non contre l'insécurité, l'afficher avec chômage. J'ai eu qui s'est démarré avec mon frontal devant les vies campérins et Albut sur place d'Amina pour dire plaît, ils l'autre pays après grand marche contre l'insécurité, c'est là, j'ai eu 10 distractions très satisfait. Il faut que nous disions, maintenant là, donc nous avons constaté pour deuxième journée, gagné un petit camionnette qui était commencé à déposer marchand dans différentes stations, bien bonnet depuis 5h50, nous avons commencé à constater ces machines, mais dans le moment où on a parlé là, chaque machine qui vient déposer mon quelconque, qui ont retourné immédiatement pour monter, ils ont pas chargé, donc ils ont quitté Villan pour retourner peut-être dans la zone Payo, mais responsable APCH, Bertrand Panat, avec lesquels nous avons parlé à l'heure, fait connaître que le mode de la liberté a continué, mais n'a pas dit pour yo noue yo la la ouya a fait va et bien à côté monde normalement comme li encore tout est-ce qu'il y a des performances avec mouvement à dans quelques moments comme nous pas connaît mais pour le moment nous capable dit petit camionnette yo même yo a pas quitté de là c'est à dire les une déposer machin yo après tourner pour franchir normal yo mais nous constatons nous pas ouais l'élève l'école qui prend la rue du tout matin là en attendant Kevinel situation en ligne, toujours arrêté, nous pas capable de dire avec un peu d'inquiétude, peur peut-être pour si ça qui est arrivé hier, on va pas le répéter, même changer de chauffeur tactique, même le faire connaître. En tout cas, nous sur place, nous avons suivi et nous avons capable d'informer au DT Caraïbe au moment opportun si situation est arrivée d'ici quelques instants, Pierre-Enel. Je vais aller en Scolia, nous pour aller dans la ville Saint-Marc avec Nixon, Denius. Nixon, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Bobsé, bonjour Gervier, nous saluons toutes les amis radio à Caillou. Effectivement, et tant que tout confrère déjà souligné ça, pendant que grève, l'unité, les secteurs transports est lancé dans tout le pays, dans ce match, donc c'est une grève qui n'est pas tout à fait respectée. Puisque le premier constat, il y a maintenant que machine qui a sorti en Saint-Marc pour aller dans Balatibélique là. Donc pratiquement eux-mêmes, ils ont tous voyagé, mais sinon que des machines qui a sorti Saint-Marc pour aller du côté de Port-au-Prince, donc ces machines ça qui pratiquement n'ont pas voyagé. Et il faut dire que l'école là, en général, elle fonctionnait comme d'habitude. Donc l'école n'a pas de difficulté du tout. Donc tout a fonctionné malgré dans un premier temps. Et bien hier, il y a un mouvement de protestation qui a fait à la rue Saint-Marc. Donc côté qui gagne quelques écoles qui dépend de disposition, il y a même le pape là qui est mais qu'on s'est tout gagné, qui est arrivé la ville. Mais il faut dire que Pierre-Henel gagne un chauffeur de tout taxi hier, qui était organisé. Il y a un bon mouvement de protestation à travers différents côtés de la ville là, côté avec propre motoyo, il y a même été metté et bien croisé différents côtés avec motoyo, surtout dans Carrefour. Donc ça qui était bail et une belle image pour tout le monde, puisque le mouvement de protestation ça a été fait. Dans ce souci pour les autorités, puis au système. Et tolérer ou bien le gaz d'abonne dans la rue, donc si ça va faire les dispositions, et bien pour empêcher le gaz continuer à bon dans la rue, alors que les peuples à licenciation, majorité pour pas licenciation, ils ont été enfermés. Situation ça, ça va obliger l'autorité policière à la justice, et bien ça va mettre la patte, et bien sous actuel officier de la police de la classe, comme son Michel Lino, ancien magistrat intérimaire. Et même ce match, donc lui-même, je à une station ailleurs dans l'après-midi, et sans du tout la police s'est procédée à une deuxième arrestation donc nous, monsieur jeune, le gagne en ce match-là, et comme son chalino, et que nous nous avons bouché, et nous lui gagne sur la bonne la caille, effectivement, la police l'a découvert, et bien, en pire, deux galons jaunes, la caille, en ce match-là, et que nous la caille, actuellement, mais garde à vue au commissariat en ce match. Quand vous avez besoin de protestation, dans les chauffeurs, il n'est pas campé, puisque hier, il a consommé, lui-même, il n'est pas fait besoin de protestation également hier, mais bien au même qui blessé, puisque la police voulait le faire chercher, mais ce mouvement-là est rentré dans l'ordre. Donc,
et la politique.